Voilà pourquoi on apprécie se retrouver, on apprécie justement. Merci Matt, parce qu'on sait un petit peu plus qui on est, quoi. Donc il n'y a pas de troll hein, sur un live privé, il n'y a pas de personne qui va baver inutilement. Après, voilà, ça demande de l'énergie, hein. Il faut du temps parfois dans une vie. Ouais. Ouais, on n'a jamais été aussi bon que maintenant, hein. Parce qu'avant c'était avant, et depuis bah, on s'est pris des râteaux, et depuis ça va un petit peu mieux. Ça va Edgar? Edgar, tu nous retrouves sur un live privé, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi si tu veux, et même le dimanche à 17h. Et là pour l'instant c'est un before, avant de passer sur un day live. Non, est une phrase. C'est quoi le sujet? Bah, on n'est pas là pour demander une autorisation, on est légitime, on est responsable, on n'est pas des gamins, on n'est pas des, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des moujons rouges, hein, comme disait Nadia, moutons, pigeons et poissons rouges. On n'a pas à être surveillé en permanence, on n'a pas à balger, on est sorti de la crèche, mais peut-être qu'on n'y était pas tous allés à la crèche, et on n'est pas obligé sans arrêt de badger pour montrer qu'on est là, quoi. Vous vous rendez compte, vous avez encore des gens qui travaillent tous les jours et qui badgent pour affirmer leur présence. Bah, j'étais là, j'ai appuyé sur des boutons, je me fais payer pour ça. Les robots vont remplacer ces personnes. Hein. Pas un nom? Je ne suis pas raciste, mais... Attention au mais dans une phrase. Le mais est important. Tout ce qui est avant le mais, quand vous entendez le mais dans une phrase, vous le savez, je pense. Le mais, après, sépare le début de la phrase du reste de la phrase. Quand les gens mettent un mais, la suite... Bah, elle est beaucoup plus en force que le début, quoi. Merci Léla. Le sujet, c'est l'autorisation et la violence des primos, des puceaux. Les primos. Ouais, ça finit toujours en haut. Le sujet, c'est on est mal, on est mal. On est en guerre. On est en guerre, mais c'est pas simplement une guerre que livre le pouvoir, l'exécutif ou les banques privées ou les riches de ce monde, c'est une guerre maintenant généralisée. Et c'est surtout une guerre, parce que moi j'aime pas dire que c'est une guerre entre les riches et les pauvres, il y a de ça, mais c'est surtout une guerre entre tous et surtout une guerre entre ceux qui bougent, ceux qui placent leur énergie dans ce qu'ils font et ceux qui ne bougent pas. C'est quoi le sujet? T'as un mot d'excuse Edgar? C'est une guerre entre ceux qui ont l'avantage et ceux qui n'ont plus rien. Donc la guerre est déjà finie. Je suis en guerre. Bah, j'y suis indirectement parce que justement, c'est la guerre. Si c'est la guerre, je ne peux pas ne pas être en guerre. C'est une guerre entre ceux qui n'ont rien et ne veulent rien avoir et ceux qui ont presque, ceux qui arrivent à avoir des choses et qui ne peuvent pas s'en défaire. T'es pas en guerre. Indirectement, tu l'es aussi. On est tous en guerre. Donc c'est une guerre déjà gagnée. Parce que ceux qui n'ont rien, qui ne veulent rien, et qui sont un petit peu mous, bah on en fait ce qu'on en veut. Hein. Bon, c'est vrai que quelque part, sont un petit peu des zombies en masse, ils peuvent venir nous bouffer. Faire attention. Hein. Pas de guerre. Ah non, mais t'es dans le bisounours. T'es dans le bisounours. Est-ce qu'on peut encore circuler sur Paris sans l'obligation d'avoir une... Il n'y a jamais eu d'obligation d'avoir une quelconque carte d'identité. Les cartes d'identité ou les passeports ne sont pas obligatoires en France. Tu peux sortir où tu veux sans rien. À partir du moment où tu as quelqu'un qui peut montrer qui tu es... Non, les cartes d'identité ne sont pas obligatoires en France. Même pas obligé de la refaire, même pas obligé d'en faire une. Mais... Bon, après, c'est vrai que tu as des problèmes. Après, si c'est pour montrer ton identité... Ah non, mais moi je veux pas que tu sois en guerre, Edgar. Je sais bien que tu n'es pas en guerre. T'es un petit peu comme un témoin de ton temps. Ouais, il faut pouvoir justifier ton identité. Détends-toi, ça va bien se passer. Non, mais moi je me méfie des mous, hein. Les vrais mous. Les mous, vraiment, les moumous. Se justifier, c'est bien, c'est signe que l'on justifie. Non. Non.
Un petit temps fort pour montrer qu'on est en direct aussi en privé, c'est important aussi que je le montre aussi ça.